Coucou les cupcakes, je vous prends le vendredi 20 septembre, il est 11h12. Je suis assise devant la pharmacie, sœur, elle doit aller chercher du vermifuge. J'ai encore les yeux gonflés, le visage qui re-enfle. J'arrive pas à joindre mon médecin, ça commence à me saouler, je vous jure. J'en ai beaucoup, beaucoup marre. Et je suis dans un état de fatigue lamentable. Je me suis réendormie dans le canapé ce matin, heureusement que sœur était élevée pour emmener les enfants, parce que j'étais vraiment HS. Mais ça, c'est pas normal, hein. Mon œil me fait mal. J'en ai marre, vraiment marre. De les enchaîner, de pas vraiment sortir de la maladie tout le temps. J'en peux vraiment plus, je suis fatiguée. Ça me pèse énormément. Je vais m'emmener avec moi pour cette journée. J'espère que ça s'arrangera dans la journée, mais là, j'ai juste envie de m'enfermer et dormir, quoi. Je vous prends de manière très approximative. Vous avez sœur derrière qui mange avec plaisir. C'est juste que je vous ai pas montré le retour de ma cachette de légumes, je suis navrée, je suis exténuée. Ça se voit que mon œil il me nique sa mère ou pas? Ouais, ça se voit. Chez Lidl, je me suis pris une baguette aux céréales. Ça, c'est un promo, j'en ai pris deux paquets, j'avoue. J'ai de la betterave rouge. Donc ça va chez ma copine. Whoopi! Donc ça va chez ma copine. Deux poireaux, oula. Ils vont également aller chez ma copine. Hey, mais tu m'as donné ce que t'as pété. Des carottes, les gars, des carottes blanches. Est-ce que c'est une carotte, ça? C'est une carotte pour nourrir une famille. J'en garde une, je lui en donne une. De la salade, j'ai fini la mienne hier, donc ça, je vais la garder. Ça là, c'est du chou chinois, enfin pad choy, je sais pas comment vous appelez ça. J'adore ça. Non, pad choy, c'est encore l'autre. J'adore ça, donc ça je le garde. On a également des carottes violettes. C'est très marrant quand tu les fais cuire avec les autres légumes, ils deviennent violets. Donc j'en garde une, j'en donne une. Des navets, j'espère qu'elle aime les navets. Moi je déteste ça. En plus, il y en a des bébés quoi, ça. Beaucoup de navets. Et après on a des pommes de terre. Je vais en donner deux grosses et puis je vais garder les restes parce que c'est toujours utile. Voilà. Il a des pieds. Il a oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Un demi-potiron. C'est trop beau. Voilà, ça va être pour elle aussi parce que j'aime toujours pas ça. J'essaierai peut-être d'en cuisiner à un moment si on a beaucoup et qu'on a vraiment beaucoup de courges pour faire une petite soupe, mais je ne garantis pas d'aimer ça. Ah oui, si, j'ai oublié. Je voulais acheter parce que moi j'ai que des coquetiers de la marque Tupperware en plastique et j'aime pas le fait qu'ils soient en plastique. Du coup, je voulais en prendre deux au secours gâteau. Je te fais ceux-là avec des petits citrons là. Basic de chez Basic. Et la dame a dit non, mais il n'y a pas de prix sur ceux-là, on vous les donne. Voilà, et ils m'ont donné 50 000 cintres. Voilà. Oh, je vous ai mis sur le trépied comme si on était des pros. Je suis en pyjama les gars. Parce que je suis extrêmement cassée. Un vrai déchet. Du coup je vous présente mon héros du jour. Cette personne qui a emmené mes enfants à l'école pour moi. Qui était les rechercher à l'école. Et qui les a re-ramenés à l'école. Et qui ira sûrement les rechercher à l'heure du goûter. Sauf que moi, regardez mon état. J'ai réuni en parents prof ce soir. La grosse réunion d'une heure où ils m'expliquent tout le programme scolaire d'Orphée. Et j'ai même pas mon binôme en soutien. Parce qu'on peut pas avoir les enfants avec nous. Mais j'irai quand même, je m'en fous, en courant j'y vais. Donc mission, se reposer cet après-midi. On va être un peu desperate to wait. C'est-à-dire pour manger, j'ai même pas préparé mon repas. Y'a rien qui va. Je me suis fait du thé, cela dit. C'était Zé qui a choisi, il avait fait du thé de lait noir. Parce qu'il voulait pas que je prenne du Russian Earl, il préférait celui-là. Et du coup, on a été chez Lidl. On a acheté deux boîtes parce qu'elles étaient en promo. Et on cherche toujours Ginny Weasley. Ainsi que Rogue, qui a les yeux plissés comme ça quand il est dans le match de Quidditch. Il faudra une boîte chacune pour voir qui ramène les meilleurs pop. Ah, ça fait qu'ils sont en train de les remplacer par des Funko Pop Jurassic Park. Je m'en branle. Je m'en branle les couilles, j'ai dit. The first one. Je ne sens pas du tout celui-là. Tu es bien fait de ne pas le sentir du tout. Tu verras dans la vidéo, la tête que j'ai fait est géniale. Ouais. Et c'est génial. J'ai trop envie que tu vois et du coup j'ai fait ça et regarde ma tête, j'ai fait.
Ta rogue? Oh putain, la rogue. Parce que moi, j'ai un putain de truc comme ça. En plus, je viens de dire, ouais, super, j'ai de la merde. Il ne manque plus que Jenny Weasley. Le truc parfait, ça serait tombé sur Jenny. Donc, je n'avais pas ce rogue qui plisse les yeux comme ça. Ça, je suis trop fière. Et je l'ai bien choisi ou pas? La pizza, je pense que ça va être bien. Oh, c'est ta merde du premier jour. Putain. Waouh, Draco. Je vais câbler d'Harry Potter doré, putain, j'en ai ras le cul. Oh, Harry Potter. Je préfère une tirante complète d'Harry Potter doré. Mais en vrai, on a eu deux pop, c'est quoi c'est... En plus, je me suis fait chier à choisir la boîte, j'aurais dû prendre la première qui me va en fait. Ah, oh, il m'énerve, il est super rare, oh, trop bien. Putain. Ouais, on a des yeux roulants. Rien, mais rien, on va quand même réussir à l'avoir. Je l'ai ce truc-là, Harry Potter. Non, bon, c'est vrai, au moins la rogue. Mais il manque fucking Ginny Weasley qui est juste bien là devant sur la boîte tranquille. Ha 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 ho. Pas dans ma collection. Ha 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 ho. J'en ai vaincu. Vous voyez, moi je suis en train de faire du journaling. J'ai mes petits scotch, c'est mon petit marque-page, mes petits crayons colorés. Je précise, crayons colorés que ma soeur m'a offert. Je sais pas où elle les a achetés, ceux-là, ces bics-là. C'est les Peppermate. Ils sont incroyables. Parce que j'ai un rat. Et bah, il glisse super bien. Et pareil pour ça, c'est des Stabilo Friction, du coup, qui sont gommables. Incroyable aussi. Et ça, qui sont mes préférés de chez préférés, des Peppermint. En fait, genre les Peppermint pour écrire. Bref. Et mes quatre couleurs, qui sont aussi des cadeaux de ma soeur. Parce qu'en fait, c'est un rat, mais très généreux le rat quand même. Je sais pas, tu mets trop de temps. Et du coup, pardon, excusez-moi, pendant que je fais ça, ma soeur, elle est en train de faire quoi? Elle me regarde pour me dire, regarde, soeur, elle me fait un doigt géant en washi tape. Pour ceux qui aiment les washi tapes, j'avais fait une vidéo collection washi tape sur ma chaîne dans la playlist washi tape. Et ils sont incroyables. Bref, on va remettre parce que là, il y a Brie et Orson qui se disputent. Je vous reprends. Il est 17h15. Je me sens un peu mieux. Surtout, réunion parents-prof dans pas longtemps. Donc, on va passer de pyjama à outfit. Et j'ai choisi. Je vais mettre une robe en simili que j'aime trop. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas mise et j'adore la mettre en automne-hiver. Donc, let's go porter ça. Et puis, bah, je vous montre mon outfit. Malgré ma tête... Boursouflé. Et on va essayer de coiffer mes cheveux aussi, faire une petite, un petit chignon, un truc comme ça, je pense. Que de cheveux hautes, pour moi, c'est un indispensable. C'est trop, je sais pas pourquoi, chaque fois, j'hésite à la mettre, alors que quand je la mets, je me trouve trop bifou dedans. On était avec Maëva chez Jennifer quand je l'ai achetée, et j'étais là, je suis pas sûre et tout. Vas-y, mais meuf, t'en voulais une, elle te va, elle est pas si chère, prends. Et elle a bien fait, merci maman. Voilà, et j'ai mis avec mes super talons là que j'ai trouvé chez Pinky avec ma soeur. Je les adore, c'est trop beau, c'est le petit détail de la tenue qui peps. Mes deux colliers, bien évidemment, comme d'hab. Petite lunette, pas de make-up parce que peau catastrophique. Et j'ai remis mes écarteurs argentés qui sont mes préférés de chez préférés. Et on est bien en vrai, c'est grave, un mignon petit outfit, mignon et sexy à la fois. Et en même temps, daronne un peu, je m'habille bien. Alors qu'ils ont l'habitude de me voir en crocs et en pyjama. Je viens de rentrer de ma réunion parents prof. Comme je vous ai montré, mon outfit était incroyable. Et vu que je l'ai pas mis longtemps, je le remettrai demain, je pense, parce que je me suis trouvée belle, sexy et en même temps hyper classe, tu vois. Et là, du coup, je vais vous montrer ce que je fais quand je rentre. On va la manger. Ce que je fais quand je rentre. Ouh là là, je vois quoi? Une tantinette qui a parfaitement fait manger mes enfants parce que c'est un daron incroyable. Non, je rigole. C'est une blague, on n'arrête pas de dire que je suis un meilleur daron que les darons. Ah, on a un problème avec les hommes et les darons. Bref, mes enfants ont mangé des yum yum, du coup, quelle cuisine fantastique. De toute façon, j'avais prévu ça aussi. Et Thésée a testé la forêt noire et je crois que c'est pas trop son truc. En même temps, c'est particulier, Thésée. Fais pas cette tête. Je vous reprends en pyjama. Waouh! Comme si c'était exceptionnel, alors que je passe mes journées en pyjama en ce moment. Du coup, j'étais à la réunion parents-prof. Il y avait ma copine Anne-Laure, puisqu'évidemment, nos enfants sont dans la même classe. Et elle a également fait un casse de ouf de fruits et légumes d'anti-gaspi, tout ça. Donc elle m'a dit, je t'en ai ramené. Non, ça c'est les siens. C'est ce qu'on lui doit lui donner, nous. Donc elle s'est baladée avec les légumes. C'est ce qu'on a dit, on est. Oui. Mais je lui ai dit, moi j'ai pas osé. Fait, bah moi j'ai osé. Elle est venue comme ça, elle vient pas en prof. Bien tes légumes. Je l'aime trop. Moi j'avais peur de la mettre mal à l'aise en fait. Mais du coup, non, c'est bon. Ça m'a dit, la prochaine fois t'inquiète. Hein. Du coup, on aime bien dire qu'on est une mafia de légumes. Ce qui fait que ce matin, j'ai un message, j'ai la cam. J'espère que c'est de la bonne.
Et moi, je précise les légumes, si jamais il y a des gens qui nous écoutent. Wow. Ça fonctionne plus, genre. Après, ils vont voir que c'est un message codé. Oh, des petits haricots verts. Et ça remonte dans ma serviette. Ah non. Ah si. Si. Après, elle m'a dit. T'en as perdu un. Ah oui, là aussi. Ça me fait penser à mes miens. Oh, je l'ai fait cuire, j'adore les haricots verts comme ça en plus. Oh putain. Je n'en consomme pas 3 tonnes à chaque fois, je lui refile parce que. Je chier les brosses. Je vais en congeler, je pense. Parce que. De la carotte. Après, j'ai beaucoup, il adore les carottes râpées. Oh, non, pleurez pas. Je chier quand t'es avec moi. Regarde-moi. Elle m'a dit. Voilà, faut que je trie, il y a des grains abîmés, un peu dedans et tout, c'est l'anti-gaspi. Mais il y a des raisins. Comme là, elle n'a pas ses enfants, ils n'en mangent pas, donc on va les laver et les trier. Oh non, il y a un citron, j'aime trop le citron. Oh, c'était parfait en plus pour. L'odeur du micro-ondes. Ouais, peut-être ça. Oh, elle m'a dit juste pas que t'aimes les artichauts, mais les petits artichauts. Ça, je voulais manger avec ma soeur, on mange juste pas le fond. Oh, désolée pour le cœur. Et elle m'a mis de l'herbe. Enfin, des persils. Donc, du coup, ça fait un beau panier. Du coup, bah, je m'occuperai de mes légumes après. Là, on va aller manger de la polenta et des cordons bleus VG. Où il n'y a pas le jambon, c'est juste le faux poulet et le faux fromage. Ma soeur qui n'aime pas trop les cordons bleus, mais ça, c'est bon ça. J'ai préparé le dîner, on a regardé nos petits légumes, on est contente. Et là, j'avais une étagère, vous savez, avec toutes les pâtes et le riz. J'ai mis les bocaux tout simplement dans le placard de pâtes et de riz. Et j'ai remplacé, parce qu'on n'a plus de meubles de l'autre côté, par. Les sucreries, donc ces deux étagères, c'est les sucreries et au-dessus, c'est toujours de la farine de manioc, je pense, comme ça. Il y a un petit bocal vide également, je pense que c'est pour l'amande râpée, ce genre de choses. Coco râpé et popcorn, donc on est quand même sur un truc full sucrerie et j'aime bien. Coucou les cupcakes, je vous rends, on est le samedi 21. Mon visage, écoutez, ça va, c'est juste que c'est la peau qui craque en fait. Je crois que je suis irritée à force de moucher. Mais là, ça va un peu mieux. Bon, toujours l'œil un peu gonflé, on ne sait pour quelle raison. Magnifique. À part ça, je me suis levée très tard parce que j'ai mis un réveil et que bien évidemment, je n'ai pas réussi à me lever parce qu'en ce moment, c'est la cata niveau fatigue. Je ne comprends pas pourquoi. Et arrivé le soir, je n'arrive pas à m'endormir ni à me coucher. On est bien. Il y a ma copine Anne-Laure qui est passée ce matin du coup pour notre fameux troc de légumes où elle devait récupérer des légumes et puis on lui a prêté le chamboultou parce que sœur avait gardé plein de conserves en fait. Enfin, un chamboultou pour les garçons. Et elle voulait en faire un pour l'anniversaire de son fils. Donc on lui dit, ben, on a toutes les boîtes de conserve. Elle dit, Donc on se prête. C'est hyper cool ça, de se prêter des choses, de faire du troc et tout. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire au monde. Et du coup, comme je l'ai dit, elle m'a donné plein de carottes. Donc il faudrait que je me motive à faire un carotte cake. Mais il faudrait aussi que je fasse du coup le glaçage pour mes fameux cupcakes. Parce que sinon, là, mes muffins vont être tout secs et il n'y aura pas de glaçage. Et voilà, là je vais prendre mon petit déjeuner, il est 11h passé, je me suis fait une théière de thé aujourd'hui, c'est du Russian Earl Grey, on n'est que sur du thé noir ou de l'Earl Grey en ce moment, que ça. Et je me suis fait deux tartines peanut butter jelly, donc beurre de cacahuète, confiture de fraises sur des petites tartines aux graines là, incroyable. Je vais mettre un petit peu devant une vidéo ou quoi, et après bah, c'est parti pour la journée quoi. C'est que je recommence toujours des séries que j'ai déjà vues ou que j'ai déjà entamées, que j'ai jamais fini. Mais quand je les reprends, ça fait tellement longtemps que je les reprends en début. Donc là, je suis en train de me faire Il était une fois. What's Up on a Time, en fait. Et en fait, j'avais très envie de les revoir. Mais j'ai jamais été plus loin que les épisodes avec La Reine des Neiges, en fait. Voilà. Et j'ai pas trop aimé les épisodes avec Peter Pan. Donc je sais que je vais devoir tous me les retaper. Sauf que c'est. En fait, c'est pas une série où les épisodes font 20 minutes, c'est des longs épisodes. On est déjà en train de regarder Desperate Housewives avec ma sœur. Mais du coup, bah, je vais regarder ça pour regarder autre chose en parallèle toute seule. Quand là, j'ai envie de manger, de me reposer, tout ça. Donc, c'est parti, je suis accompagnée de Mimi. Et je vais manger mon repas du midi qui ressemble, ma foi, à rien. Une assiette de reste et un œuf. Je vous reprends, ce matin, j'ai reçu un petit colis qui contenait deux petits colis. J'étais déjà contente, mais là. Et je pense qu'ils contiennent beaucoup de colis. Du coup, nous allons les ouvrir. Je vais faire la règle. On va découvrir. Des petites décorations pour ongles, des petits nœuds, des perles et des fleurs. So coquette. Ils sont mignons, celles-là. C'est vrai, ils sont mignons. Un ongle.
Une lampe UV. Pour les ongles. Normalement, celle-là, c'est une lumière rose, pas bleu-violette, tu vois. Comme ça, on pourra faire des ongles en même temps en gel. Un petit sacrumi tout doux. C'est ma préférée en plus, maman. Parce que il coûtait chez Primark, le Hello Kitty coûtait 17 euros. Petite lanière avec des couronnes. Et là, ça coûtait genre 3 euros. Couronnes, c'est ma préférée. Oui, bah c'est bien. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, un bébé sac. J'adore les bébés sacs et il est très vivant. C'est sodomile. Et pas sodomie. Des petites barrettes en étoile. C'est trop bien. J'en cherchais justement plein. Voilà, c'est pour mes cheveux. J'ai longtemps hésité et du coup finalement j'ai pris les deux. J'ai pris pom-pom purine. Ça veut dire que la bandoulière avait été extrêmement mignonne. Ça veut aussi dire que si ma soeur un jour veut sortir, elle va mettre un petit sac pom-pom purine pour une tenue pom-pom purine, elle peut. Il y a une petite bandoulière avec plein de pom-pom purine. Non, parce que t'étais jalouse. Oui, j'ai acheté à ma soeur, un beau sac Monstre et Compagnie chez Primark. Et il y avait le Miffy, il me faisait de l'œil et je l'ai pas pris. Au final, je m'en suis offert un Hello Kitty. Lou. Oui, vas-y. Il y a peut-être des petites glaces. Oh, du truc Hello Kitty, étonnant. La meuf vient d'acheter quel truc, ça n'a rien. Oh, étonnant. Ça fait plus d'être sous bras. Bah ça c'est rien du tout, mais je voulais vraiment des perles, donc j'ai pris un lot avec plein de tailles de perles. J'ai dit ou pas, j'ai commandé plein de trucs pour les ongles. Ah c'est le mien, ça veut dire que tu dois avoir un petit un pour toi. Qu'est-ce que c'est un hein? Bah j'ai pas envie que tu l'ouvres en entier dans le sens où attends de trouver le tien. D'accord. C'est un truc pour moi, on l'ouvre après ensemble, mais il faut qu'avoir qu'elle trouve le sien. Donc, je suis agressée du coup. Ça c'est extrêmement lourd. Enfin! Qu'est-ce que c'est non plus? Moi j'ai le truc Hello Kitty. C'est un bol pour les Yum Yum avec son petit couvercle et tout, et il est en acier. Il est trop beau! Oh, c'est un truc pour quand mon enfant il fait des trucs bien à l'école, il aura des récompenses. Ah voilà! Ouvrons chacune le nôtre! Pompuli. Hello Kitty, plein d'or. Ils sont beaux. Vas-y. Je sais que t'as déjà un porte-monnaie et tout, mais je sais pas, je me suis dit, oh, de temps en temps, juste pour mettre quelques piécettes, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est pour le fin du mois, quoi. Une petite photo ici, là. Photo de Nanaïque. Voilà. Et non, ça peut faire un peu sérieux, tu vois, tu mets tes petits trucs dedans, j'en sais rien, je l'ai trouvé adorable. Et en vrai, avec ma commande, si je prenais les deux trucs en plus, là, ça réduisait ma commande de 5 euros, et du coup, c'est comme si je les avais pas payés. Pour mettre les billets qu'on n'a pas. Ouais, mais ça réduisait le prix. Et du coup, je sais pas, je me suis dit, ah, c'est trop marrant qu'on en ait un chacune. Si une fois de temps en temps, elle a envie de changer du style, elle peut avoir un truc jaune dans son sac jaune. Bon, on va continuer à toucher dans celui-là. Oh, c'est ridicule. Je voyais ça plus loin. C'est une à mes gros orteils. Bébé lampe UV en USB, tu vois. Il y a un gros monsieur Jack. Mais gros. Mais c'est une blague. C'est beaucoup trop gros. Et du coup, bah, t'as des gros boogie boogie. J'ai commandé des tout petits cabochons pour mes ongles. Regarde la taille qu'ils font. Bon, c'est pour le gros orteil. C'était censé être des tout petits trucs pour les ongles, genre même sur les photos des meufs. Mais je suis un peu déçue, ils sont très 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 gros. Ah. C'est des petites décos d'ongles, peut-être. Non, c'est l'un qui n'est pas vraiment du tout habillé sur les décos d'ongles, des petits trucs en strass. C'est vrai que c'est beaucoup trop gros. Voilà. On est dans un cadre beau. À l'entrée. Ils en font des pom-pom, Pauline. C'est un petit diamant pointillé. Oh non, maman. C'est mieux là, hein, que sur l'effet. Oh, oh. Des
des décos pour ongles. Oh non, ça faisait longtemps. Des petites traces comme... Je vous jure, j'ai fait le plein, mais là, si j'ai plus d'excuses pour mes ongles, à part que... Oh, bah je crois que je suis allergique, en fait, quand je fais mes ongles. Elle a tellement d'ongles. Elle a tellement de... Mais je pense que j'essaie de me faire plein de presse-nails. Du coup. Pour poser tes ongles. Ouais. Ça s'appelle comment? Des supports à ongles? Ouais. Des trucs pour mettre dans les capsules pour les préparer. Ça, c'est mieux. Attends. En vrai, ça c'est bien, comme ça on en a deux. Je peux faire les 10 ongles d'un coup, tu peux faire dedans, tu peux faire dedans. Oh, vas-y, des pinceaux pour faire les ongles. Je prends un autre pinceau et un autre de Dunkin' du pool là, pour les petits ronds. Ça faisait longtemps. Je vais bégayer. Oh non! Je veux des ongles comme ça. Tu les as reçus? Putain, faut que je montre à Noir. C'est quoi? Des petits capybaras, capybaras pour mettre les ongles. Des autocollants tête de chat pour mettre les ongles. Je peux voir. Regarde une face d'ongles, tête de chat. Je sais pas encore comment ça fonctionne, il paraît que c'est casse-couille de ouf, mais en vrai. Mais ça fonctionne pas bien. Peut-être que t'es manqué pour faire un cœur, mais au pire, si ça fait juste des effets, des traits, on verra, ça peut être sympa. C'est des vernis spéciales. Tu m'as plus tard. Hein. Et oui, ça, peut-être qu'il y a trop plus sur moi. Ah oui, ça, il y a quelque chose. Oh! Des petits cœurs! Des décos d'ongles! J'ai pris les mêmes que j'ai pris en rouge. J'ai pété mon slip sur la déco d'ongles, là. Ouais. C'est le truc décevant du coup, c'est Jack. Bah en vrai ouais, parce que je voulais vraiment, vraiment que ce soit des décos d'ongles. Je pensais vraiment que ça serait comme tes petits stitchs là. Et même cela du coup, je suis dégoûtée, j'aurais dû prendre qu'un paquet. Parce que là je me trouve aussi avec des Oogie Boogie géants. Mais encore Oogie Boogie, comme je disais, sur un gros ongle ça peut le faire. Ça peut faire un truc dingue. Sur un truc. Ils sont beaux mais... Bah je suis quand même très contente. Bah là du coup, je me trouve un petit peu envahie par tous mes colis. Wow. Je vais devoir ranger dans mon truc à ongles et je vais retourner dans ma série. Bon, il est 18h passé, il y avait Julie qui est passé voir soeur. Donc du coup, j'ai fait un petit coucou. Et je me suis lancée, j'ai fait ma crème au beurre violette. Elle est au frigo, faut qu'elle pose. Et quand ce sera bon, bah, je pourrai la pocher sur les cupcakes. Je vous reprends. Il est 19h19, je suis habillée. J'ai mis ce petit pull que j'aime trop avec une barrette. Vous la verrez pas, mais elle est trop belle, c'était à maman quand elle était jeune. Je fais cuire des coquillettes, je prépare des concombres à la crème, on mange tranquillement. Et après, on va sortir avec les garçons. On va aller dans le centre de Ferrières. Parce que ce soir, en fait, à partir de 19h, il y a ça. C'est-à-dire des illuminations, concerts, théâtre, spectacles de feu, animations, visites, expositions, blablabla. J'ai fait tomber les mains, entrée libre et tout, puis il y a des stands et tout, on peut se promener. Donc on s'est dit pourquoi pas faire ça avec les garçons et sœurs. Donc écoutez, on vous emmène, on vous montre ça au fur et à mesure, bien évidemment. On va manger déjà, c'est parti. C'est l'heure de pocher la crème au beurre sur les cupcakes. Ma foi, c'est plutôt mince. Thank you.
Les garçons ont goûté les cupcakes de maman. Verdict, c'est bon ou pas? La crème, miam. C'est un pur délice. Pareil pour les pipites. Et c'est encore meilleur tout seul. Sans rien. Mais tu peux pas manger de la crème au beurre à la cuillère, chérie. Mais non, pas la crème au beurre. Ah, le biscuit aussi, il est très bon. Oui. Bah, le gâteau, il était sec. Mais j'aime bien manger. T'es pas menteur, toi? Un peu seul, le glaçage. Je vous reprends, il est 20h, on est prêt avec les garçons. Il manque un garçon. Il est caché, bon tant pis. Et avec Tantinette, et nous allons du coup à Faria, comme j'ai dit, à la fête des lumières, machin, tout ça. Et on vous emmène avec nous, c'est parti. Vu qu'on décide d'y aller, bien évidemment, il se met à pleuvoir un petit peu. J'ai quand même mis mon petit béret citrouille, que je trouve adorable. Petit sac citrouille assorti, because on est très poor girl, you know. On va regarder Desperate Housewives avec sœur à peu près comme tous les soirs. Je vais écrire dans mon agenda ma petite journée. Je sais pas ce qu'elle me fait là avec les Pokéball, elle fait du bruit. Bon, je rigole, pour embêter, vous auriez dû voir sa tête, elle a relevé sa tête. Du coup, ouais, on va regarder Desperate Housewives tranquillou. J'ai commencé Once Upon a Time tout à l'heure, c'était trop cool. Et là, je vais manger un petit peu de baguette avec du Nutella parce que j'ai envie. Et voilà. Avec son doudou, ça va mon bibi? Ah, je l'ai réveillé. Oh, bonnie mon cœur, bonnie mon sucre. C'est le sucre avec le nounou. Faut qu'on trouve un nom à son d'un doudou. C'est nounou. Oh, c'est nounou. C'est sucre et nounou, le nounou. Oh non, c'est sucre et nounou. C'est nounou. C'est nounou. Il est où le nounou de Nanaï?